Depuis plusieurs jours. C'est un colis un peu spécial, alors j'ai hâte de l'ouvrir en espérant que ce soit bien, évidemment. Mon Dieu. Bon, j'imagine que vous comprenez ce que c'est. J'ai fait faire un tampon pour mes commandes parce que j'ai envie de changer un peu la manière dont je prépare mes commandes. Ça fait longtemps que je fais toujours la même chose et j'ai envie de changer un peu le packaging et tout. Donc je suis en train d'étudier tout ça en ce moment et du coup j'ai commandé un tampon que j'ai personnalisé. Donc on va pouvoir l'essayer tout de suite. Vous voyez un peu mieux là le design que j'ai fait. J'adore, je suis trop contente. Oh là là, c'est génial. Voilà le résultat un peu sur l'enveloppe. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de surface sur laquelle tamponner parce que moi, ce que j'utilise pour faire mes commandes, c'est du papier cristal. Et du coup, je pense changer et utiliser du papier craft si je trouve des pochettes qui me plaisent. Parce que pour tamponner, c'est mieux. Et puis aussi parce que j'ai envie de changer, comme je vous ai dit, un peu l'esthétique de mes commandes, etc. Mais bon, j'ai quand même essayé sur un papier cristal de tamponner. J'ai juste peur que ça bave, en fait. Et c'est un peu le cas. Genre, si je passe mon doigt dessus, ça va baver, en fait. Donc, c'est pas idéal, le papier cristal pour pouvoir tamponner. Donc, je pense que je vais essayer de trouver du papier craft pour emballer mes commandes. Mais en tout cas, je suis trop contente du rendu du tampon. Voilà, je suis trop contente du rendu du tampon. J'avais vraiment peur que ce soit pas bien. Et en fait, ça rend super bien. Donc, je suis trop contente. C'est vraiment juste histoire de personnaliser un peu plus mes commandes et de changer un peu, de faire quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est en cours de processus pour ma nouvelle collection. Je vais faire de nouvelles choses. Donc voilà le début de ces nouvelles choses. Jeudi 16 juin et je vous reprends seulement maintenant pour vous emmener un petit peu avec moi dans ma semaine. J'avais prévu de filmer ma semaine comme j'aime le faire, sauf que j'ai eu un petit coup de mou en début de semaine. Ouais, j'avais pas trop le moral, pas trop la motivation, voilà, un coup de mou qui peut arriver de temps en temps. Mais bon, depuis ces quelques jours, j'ai déjà compris pourquoi j'avais un coup de mou et puis progressivement j'ai essayé de me faire une raison et de relativiser un petit peu et puis de fight un petit peu ce coup de mou. Et ça va mieux aujourd'hui en espérant que ça continue ainsi, parce qu'hier ça commençait à aller mieux aussi, donc voilà, on y croit, même si demain il va faire 35 degrés et samedi 39 degrés et que ça va être très très dur. Je pense que mentalement ça va mieux que ça n'a été au début de la semaine. Voilà, j'ai tendance à déprimer quand il commence à faire très chaud, très beau et que moi je ne suis pas en vacances. C'est quelque chose qui me déprime, hein. On va pas se mentir, tous les étés c'est la même chose. Dès qu'il commence à faire hyper beau, hyper chaud, je commence à déprimer, à être dans un état d'esprit morose parce que je suis pas en vacances
et parce que je dois travailler et personnellement je déteste travailler quand il fait trop chaud ou hyper beau. Enfin, pour moi, je sais pas, il y a un truc où travailler c'est pas compatible avec cette ambiance là. Mon travail, je l'associe vraiment à quelque chose de très cosy, quelque chose de très apaisant, quelque chose de très doux, calme. Je sais pas, j'associe mon travail à une atmosphère un peu de recueillement, une atmosphère de chaleureuse, mais pas chaleureuse en mode estival, chaleureuse en mode c'est l'hiver, t'es dans un café où il fait hyper bon, où t'es chez toi et c'est une ambiance trop cosy, et puis t'es en train de boire un thé ou un chocolat chaud, enfin, il pleut dehors, j'en sais rien, bref, c'est comme ça que j'associe mon travail. C'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est comme ça que j'ai toujours fait, enfin, c'est, que je le veuille ou non, c'est comme ça que je me perçois mon travail en fait. Et du coup, dès qu'il commence à faire beau, c'est pas facile pour moi de travailler, d'être motivée à travailler, de trouver l'inspiration et d'aimer travailler quand il fait beau. Je trouve ça assez... Enfin, surtout quand il fait chaud, en fait. Je trouve ça dur de travailler quand il fait chaud et que tu sues et que t'es obligée de te confiner chez toi, fermer les volets et tout. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'épanouit personnellement, et je sais que je suis loin d'être la seule. Dans ce cas, on est beaucoup à avoir du mal à travailler quand il fait aussi chaud et aussi beau, et je pense que c'est normal. L'été, le beau temps, tout ça, je trouve ça sympa, mais quand on peut prendre des vacances et quand on est en vacances, mais sinon quand on n'est pas en vacances et tout et qu'on doit travailler, c'est pas toujours évident. Enfin bref, du coup ça m'a un peu donné un coup de mou tout ça, d'autant plus qu'en ce moment je suis en train de travailler sur ma nouvelle collection. Et quand je travaille sur ma nouvelle collection, c'est pareil, je dois être dans une ambiance particulière. C'est un peu comme, tu sais, les écrivains qui vont dans un espace, je sais pas, dans une maison de campagne pour écrire leur prochain livre, ou les musiciens qui, pareil, se recueillent dans un espace particulier pour créer leur prochain album. Bah moi c'est pareil, quand je crée une nouvelle collection, j'ai besoin d'être dans un moment très introspectif, à limite de recueillement en fait, où je suis isolée et aussi dans une atmosphère plutôt grisâtre, plutôt avec un temps de pluie, avec un temps frais, avec voilà, quelque chose de très chaleureux, encore une fois, quelque chose de très introspectif. En bref, voilà, j'ai besoin d'une ambiance particulière quand je crée une nouvelle collection. Là je me trouve actuellement dans la pire disposition pour moi pour créer une nouvelle collection, parce qu'on est en pleine canicule, en pleine phase de canicule en ce moment là en France, et c'est un peu le scénario catastrophe pour moi pour créer une nouvelle collection, parce que c'est vraiment la pire des ambiances dans laquelle je dois travailler. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix et on n'a pas le choix de toute manière, donc voilà, j'ai essayé de me faire une raison et j'essaie de trouver des trucs pour faire en sorte que ce soit plus agréable et pour faire en sorte d'y arriver. J'ai été dans un café mardi après-midi, ça m'a fait un peu du bien. Voilà, ça fait toujours du bien d'aller travailler dans un café, je vais peut-être le refaire si vraiment je sens que j'en ai besoin. Hier j'ai commencé à me sentir un peu mieux, aussi parce que j'avance aussi dans mes créations et que je commence à bien aimer ce que je fais. Voilà, donc ça fait du bien aussi, parce que quand on crée une nouvelle collection, enfin, ou de nouvelles créations, on est un peu là en mode « Ah, est-ce que je vais réussir à faire un truc bien ?» et tout. Et puis il y a aussi un peu la pression de tomber dans le piège, de se dire « Qu'est-ce qui est attendu de moi ?» entre guillemets. Qu'est-ce que les gens aimeraient que je crée, plutôt que qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cette nouvelle collection. Par exemple, c'est vrai que l'été c'est toujours un moment qui est difficile pour moi dans ma créativité et dans mon exercice de mon activité, dans le sens où l'été c'est pas une saison qui m'inspire du tout. Je suis pas inspirée par la plage, par la mer, par toute la thématique estivale en fait, et c'est pas quelque chose que j'ai envie d'illustrer particulièrement. Et bah, je me dis mince, c'est un peu dommage, parce que peut-être que voilà, mes clients, mes clientes aimeraient que j'illustre ce genre de thème, donc c'est un peu compliqué. Et puis voilà, de manière générale j'essaie quand même d'éviter de tomber dans le piège de ah voilà, ça y est, on est en octobre donc il faut absolument que je dessine des choses d'Halloween, ou alors ça y est, on est à Noël donc il faut absolument que je dessine des choses de Noël, même si généralement j'ai pas de mal à le faire parce que c'est mes saisons favorites. En tout cas en été, quand on arrive en été et que bah, je suis là en mode mince, il faut que je dessine des choses estivales alors que ça m'inspire pas, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire, et ben je suis en mode mince, comment je vais faire, alors qu'en fait il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'obligation à dessiner uniquement des choses en thématique avec la saison du moment, avec ce qui se passe en ce moment. En fait, faut essayer de s'accorder quand même la liberté de pouvoir illustrer ce qui nous parle, ce qui nous vient, et non pas ce qu'on pense devoir illustrer ou dessiner. Donc j'essaie de garder ça en tête et de vraiment m'écouter et de dessiner ce que j'ai envie de dessiner. Mais bon,
ça fait, voilà, je sais pas, c'est pas toujours évident de trouver cette frontière entre ce que moi j'aimerais bien faire et ce qu'en même temps ce qui pourrait plaire. Enfin bref, on essaie de, j'essaie de faire au mieux. Enfin voilà, hier j'ai quand même réussi à avancer sur 2-3 illustrations sur lesquelles je travaille en ce moment. J'ai commencé par les illustrations pour cette nouvelle collection, je vais ensuite créer des stickers dans les jours qui vont suivre, mais pour l'instant je me concentre sur les illustrations et j'aime vraiment pour l'instant les croquis que j'ai fait, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Notamment une illustration qui est mon coup de cœur de l'année. J'ai trop hâte de continuer de travailler dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire ce matin. Mais bon, après c'est toujours un peu déstabilisant parce que les croquis, souvent c'est vraiment un moment que j'adore. Faire le croquis d'une illustration, c'est trop bien je trouve. Et après il faut passer à la colorisation et ça c'est un peu plus intimidant et pas toujours évident de trouver les bonnes couleurs, les bonnes textures et de créer, enfin de continuer ce processus créatif là. C'est pas toujours l'étape la plus simple, mais c'est une étape que j'aime beaucoup aussi. Enfin bref, du coup ça me... là j'ai des super croquis je trouve, mais maintenant il va falloir les mettre en couleur et tout et ça me fait un peu peur, mais on y croit, on va y arriver. Alors, nous sommes le 22 juin, je suis officiellement dans mon troisième trimestre de grossesse. Voilà, début du troisième trimestre, un petit bump update sans t-shirt, avec le t-shirt. Encore combien de temps? Un peu moins de 3 mois avant l'arrivée de ce petit bébé. J'ai failli dire son prénom, parce que ça y est, on a son prénom. Nous sommes mercredi 22 juin, je commence ma semaine maintenant parce que je suis tombée malade lundi. Enfin c'est pas drôle en vrai. Ça a commencé dimanche soir et lundi et hier j'ai fait une intoxication alimentaire, moi-même et mon copain et ma famille, parce qu'on a mangé quelque chose de pas très bon. Heureusement pour moi j'en avais juste mangé un tout petit peu, donc j'ai pas eu... enfin j'ai pas été très touchée en termes de... vomissement, enfin j'ai pas vomi ou quoi que ce soit en fait, je me sentais juste un peu malade, donc heureusement j'ai fait une toute légère intoxication alimentaire, donc voilà, il n'y a pas de problème, mais en vrai ça m'a vraiment impacté, ça m'a vraiment foutu une claque on va dire, parce que je sais pas, peut-être le fait d'être enceinte, ça fait que le moindre truc qui peut te rendre mal, même si c'est léger, en vrai ça prend des proportions beaucoup plus forte je trouve, enfin, en tout cas ça m'a vraiment fatiguée moralement on va dire,
cette intoxication alimentaire, ça fait vraiment chier de commencer la semaine comme ça et de... Enfin, vraiment, ça fait chier, même quand t'es enceinte, de manger un truc qui est pas bon. Heureusement, vraiment, que j'en ai mangé genre une ou deux bouchées parce que sinon, je sais pas ce que ça aurait donné. Je suis remise et ça, c'est vraiment cool. Du coup, je suis motivée pour commencer ma semaine en ce mercredi. C'est un peu bizarre. Du coup, voilà, il y aura pas de vidéo aujourd'hui, malheureusement, parce que du coup, j'ai pas pu travailler hier et avant-hier et tout, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Déjà, je n'ai absolument pas filmé beaucoup pendant cette vidéo, jusque-là en tout cas, parce que la semaine dernière, c'était la canicule et je déteste, mais vraiment, je trouve ça hyper compliqué de travailler quand il fait la canicule, enfin voilà. C'est vraiment très compliqué de travailler quand il fait très très chaud et encore plus de filmer et tout. Enfin, pour moi, c'est même pas la peine d'essayer de filmer quand il fait 38 degrés, 35 degrés. C'est pas la peine, donc voilà, j'ai pas vraiment filmé la semaine dernière parce que bah, c'était pas possible. Donc bref, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a une nouvelle super chouette, c'est que j'ai lancé ma chaîne Twitch. Donc voilà, j'ai commencé à faire des lives sur Twitch. C'est des lives pour l'instant où je crée mes illustrations et du coup je passe un moment avec mes abonnés. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de suivre des lives, de passer du temps avec moi à travailler, à dessiner, etc. En direct ou pas, parce que vous pouvez toujours regarder les lives après une fois qu'ils sont terminés, et bah, abonnez-vous à ma chaîne Twitch parce que je compte faire plein de nouvelles je compte faire plein de nouveaux lives. Vraiment, c'est un format que j'adore, je trouve ça trop chouette de pouvoir passer vraiment un temps réel en fait avec ma communauté, de pouvoir avoir ce nouveau format de vidéo. Je pense que ça va être chouette aussi dans ma future vie de jeune maman, parce que je pense que ce sera plus simple pour moi dans les débuts en tout cas de lancer une session Twitch où je dessine avec vous, on peut discuter et tout, que de faire des vidéos au début, parce que je sais pas trop comment ça va se passer, mais je me doute que voilà, ça va demander un certain temps d'adaptation, de travailler avec un petit bébé, etc. Et du coup, je pense que Twitch, c'est vraiment une plateforme qui va me faciliter la vie et qui en plus me plaît énormément déjà. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai déjà fait deux lives dans lesquels j'ai dessiné deux nouvelles illustrations. Je vous mettrai ma chaîne Twitch dans la barre d'infos, je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà, je suis trop contente de ça. Il y a plein de progrès à faire, peut-être du matériel à acheter au fur et à mesure, mais franchement c'est trop trop chouette. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, bah, j'ai avancé un peu sur ma nouvelle collection, etc. Et voilà, ça prend forme petit à petit, mais j'ai encore un peu de travail, il me reste une semaine avant le lancement de cette nouvelle collection, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai des commandes à faire, c'est très très urgent parce que ce qui se passe avec mes commandes, c'est que j'essaie généralement de les préparer sous forme de lot. Donc par exemple, si jamais j'ai qu'une commande, je vais pas la préparer tout de suite, sauf si jamais j'ai qu'une commande pendant deux semaines, bah là oui, je vais la préparer. Mais généralement, en l'espace d'une semaine ou de deux semaines, j'ai plusieurs commandes qui arrivent et du coup je les prépare toutes le même jour. Donc c'est pour ça que parfois le temps de traitement des commandes est un peu plus long, j'essaie généralement de pas dépasser les une semaine, mais là j'ai pas été très très forte. Il y a des commandes qui datent d'un peu plus d'une semaine là qu'il faut absolument que je prépare. Il y en a pas beaucoup qui datent de plus d'une semaine, mais il y en a genre 2-3 et il faut vraiment que je les expédie. Mais j'ai vraiment été tellement occupée ces dernières semaines, c'est un truc de fou. Avec l'appartement et tout, ce qu'on essaie de réaménager, de refaire. Ce week-end, on a aidé nos parents à déménager. Enfin, moi, j'ai pas pu vraiment contribuer au déménagement, mais j'étais là en tout cas avec eux, à essayer de faire ce que je pouvais en étant enceinte. Enfin bref, du coup, en ce moment, on est hyper occupés, c'est un truc de fou. Le temps passe hyper vite. Et en même temps, il y a plein de choses dont il faut qu'on s'occupe. Et en même temps, on a envie de se reposer, de profiter aussi. Enfin bref, c'est un peu... un truc de ouf. Enfin bref, sur ce, je vais me mettre au travail et commencer à voir un peu le stock, ce qu'il faut que j'imprime, etc. Et puis ensuite, on va faire les commandes. Et puis ensuite, on verra. Mais voilà.
Bienvenue dans cette nouvelle journée qui est très excitante. Bien écoutez, aujourd'hui c'est le lancement d'une nouvelle collection, ça y est, c'est le jour J. Ça me fait drôle parce que j'ai commencé ce vlog il y a 2 semaines et là j'arrive au bout. J'ai pas filmé tout ce que j'ai fait évidemment parce que ça prenait beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai dit, quand je crée une nouvelle collection, j'aime vraiment être dans mon monde à moi, vraiment en introspection et dans un truc un peu solitaire. Et bref, du coup j'ai fini cette nouvelle collection, j'ai envie de dire qu'elle est très riche et qu'elle est gourmande. Il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer de vous
présenter un peu tout ça de manière à ce que vous puissiez voir et découvrir toutes mes nouvelles créations. Mais je vais essayer d'être succincte parce qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, je suis trop contente de cette collection et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Il y a plein de choses qui me rendent trop heureuse dans ce que j'ai fait. En bref, je vais vous montrer tout ça, vous expliquer tout ça et voilà. C'est une nouvelle collection riche en illustrations puisqu'il y a 8 nouvelles illustrations qui arrivent sur ma boutique aujourd'hui, ce qui est absolument énorme et c'était pas forcément mon intention que de faire autant d'illustrations, mais c'est ce qui est venu. Voilà, je me laisse vraiment libre cours quand je crée une nouvelle collection et là visiblement il y avait beaucoup d'illustrations que j'avais besoin de créer et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il y aura 8 nouvelles illustrations dans cette nouvelle collection, dont 3 qui peuvent être combinées dans un lot. Mais je vais vous expliquer tout ça juste après. Et pour ce qui est des autres créations, il y aura un nouveau bloc-notes, un nouveau marque-page, 2 nouveaux stickers et une nouvelle feuille de stickers. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et je vais tout vous présenter sans plus tarder. On va commencer par les stickers. Ce qui se passe, c'est que je vous ai dit qu'il y avait 2 nouveaux stickers, dont un avec 3 stickers. Le premier sticker que j'ai créé, c'est ce petit éléphant. Je voulais créer une sorte d'illustration pour le mois des fiertés, qui est au mois de juin. Du coup, j'ai eu envie de dessiner ce petit éléphant qui brandit son petit drapeau multicolore et voilà, je le trouve trop mignon. Et vous retrouverez aussi ce petit éléphant sous forme d'illustration, je vous montrerai juste après. L'autre sticker, qui est en fait un lot de 3 stickers, c'est un lot de 3 stickers polis que j'ai utilisé à partir d'une illustration que j'ai faite et qui arrive sur ma boutique aujourd'hui. On m'a demandé, quand j'ai partagé cette illustration, d'en faire un lot de stickers. Donc voilà, j'ai sélectionné 3 polis parmi cette illustration et c'est des stickers qui sont assez grands, donc le lot sera un peu plus cher que les lots que j'ai pu faire jusque-là. Genre les lots de 4 champignons et les lots de 4 insectes, c'est des plus petits stickers. Donc là, ce sera un lot de 3 stickers, mais c'est vraiment des stickers de taille normale. Je trouve trop chou, j'aime trop cette petite illustration de Polly, vous allez la découvrir juste après. Donc voilà, pour les 2 stickers, dont un qui est un lot de 3. Ensuite, la feuille de stickers, j'ai eu envie de faire quelque chose en lien avec la végétation, avec le jardinage, et un peu voilà, toute une thématique autour de la verdure, de l'environnement, tout ça. Donc c'est ce que je me suis laissée faire et je trouve qu'elle rend super bien. Et voilà, je trouve que je commence à maîtriser un peu les feuilles de stickers et voilà, je vais essayer d'en sortir une à chaque fois que je vais faire une nouvelle collection à présent. Donc voilà, la feuille de stickers que j'ai faite, j'espère qu'elle va vous plaire. Pour ce qui est du marque-page, je sais que vous en vouliez plein et j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà, j'ai eu le temps d'en faire un parmi tout ce que j'ai créé et franchement je l'aime beaucoup, donc j'espère que vous aussi. Donc c'est ce petit marque-page dans lequel il y a incrusté une petite citation que j'aime beaucoup. You can never get me a cup of tea large enough or a book long enough to suit me. Voilà, j'aime trop ce petit marque-page et cette petite citation qui je pense va beaucoup plaire à beaucoup de personnes. Je pense que c'est une citation connue aussi. Voilà, je trouve trop trop chou ce marque-page et du coup je suis trop contente de l'avoir parmi cette nouvelle collection. Pour ce qui est du bloc-notes, j'ai fait faire un bloc-notes dont le design est un peu fleuri, petit design un peu mignon, un peu cottagecore un peu, que je trouve trop trop chouette. Je tiens à vous dire qu'il y a un petit détail. Lors de la production de ce bloc-notes, il y a eu un petit décalage, ce qui fait que le motif n'est pas complètement centré. De toute manière, je vais vous mettre des images. C'est léger, ça se voit pas non plus énormément, mais quand on le sait, bon bah voilà, on le sait. J'ai contacté le fournisseur pour leur dire que voilà, ça n'avait pas été non plus hyper bien fait dans le sens où bah, c'est pas centré. Mais bon, j'ai pas pu être remboursée, ils m'ont juste donné un rabais. Ils m'ont pas proposé de les faire refaire, donc voilà, c'est en cours d'investigation. J'aimerais bien leur demander de refaire mes bloc-notes parce que ça m'embête pour ce motif qui soit pas bien centré comme il faut. Il y a un petit décalage, le motif n'est pas complètement centré, ce qui n'est pas problématique en lui-même pour le bloc-notes, mais c'est vrai que pour moi qui est un peu une perfectionniste, j'avoue que ça m'a un peu embêtée et que ça me stresse un peu. Mais bon, le bloc-notes est complètement utilisable, il est trop joli. C'est juste un petit décalage de, je sais pas, quelques millimètres en fait, qui fait que le truc n'est pas complètement centré. C'est pas grave. Du coup, je vais quand même le mettre en vente sur ma boutique. Je pense que je le mettrai peut-être à 3,50€ au lieu de 4€. Mais voilà, du coup, ce nouveau bloc-notes que je trouve trop chaud, en plus il est trop beau.
C'est con que ce soit juste un tout petit peu décalé, tu vois. Pour ce qui est des illustrations, donc je vais vous montrer déjà les deux illustrations que j'ai déclinées en stickers. Donc la première illustration sur Polly que j'ai vraiment voulu illustrer, il fallait que je le fasse un jour, sous toutes ses formes. Donc voilà, il y a cette petite illustration de Polly que j'ai dessinée en même temps que je faisais un live Twitch. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live, c'était trop chouette de pouvoir faire ça avec vous, d'avoir vos recommandations, vos idées et tout, c'est trop chouette. Et j'aime beaucoup le rendu de cette illustration, voilà, donc pour toutes les personnes qui aiment les chats et qui aiment Polly, parce que Polly devient un petit peu la star de cette chaîne. Voici une petite illustration d'elle. Et l'autre illustration du coup, c'est ce petit éléphant que j'ai dessiné du coup à l'occasion du mois des fiertés. Elle m'a demandé aussi quand je l'ai partagé d'en faire une illustration, parce qu'à l'origine j'avais juste prévu d'en faire un stickers, mais on m'a demandé d'en faire une illustration. Donc je vais le mettre en illustration aussi, comme ça vous pourrez choisir selon où vous souhaitez un stickers ou une illustration. Et j'ai encadré et je trouve qu'il rend hyper bien encadré, c'est trop chou. Donc voilà la petite illustration de ce petit éléphant. Pour les autres illustrations, il y a celle-ci que vous m'avez déjà vu dessiner dans cette vidéo et créer dans cette vidéo. C'est mon illustration préférée. Parmi tout ce que j'ai créé, c'est vraiment l'illustration que je préfère. Elle est assez simple, mais je sais pas, ça représente tout ce que j'aime dans l'illustration et cette illustration me rend trop heureuse. Donc voilà, je suis trop contente du résultat. Et voilà, c'est cette petite sorcière qui rentre de son petit marché où elle a acheté ses petits légumes. Et voilà, elle va tout ranger dans sa petite cuisine. Et je sais pas pourquoi cette illustration me plaît autant, mais je l'aime trop. Ensuite, il y a une illustration Stay Fresh que j'ai dessinée au tout début quand je commençais à travailler sur ma nouvelle collection. C'est cette petite illustration avec les éléphants, enfin une sorte d'entreprise locale et artisanale d'éléphants en fait qui font de la limonade. Voilà, c'est une petite idée que j'avais eue et du coup je l'ai illustrée. Et voilà, c'est une petite illustration qui est super chouette et mignonne. Et dans le thème de cette canicule qui nous a frappé il y a quelques temps et de la chaleur qui arrive. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Voilà, depuis que je suis enceinte, on me demande de faire des illustrations soit sur le thème de la grossesse, soit des illustrations pour décorer des chambres d'enfants. Donc j'en ai fait une sur ma grossesse, un peu un petit portrait de moi, et j'en ai fait une autre, trois autres plutôt, que je vais regrouper dans un lot, mais vous pourrez aussi acheter individuellement si vous préférez. On va commencer par l'illustration sorte de petit portrait de moi que j'ai fait sortie de course, quelque chose comme ça, où en fait je fais mes courses, j'achète mes petits légumes, et voilà, c'est un petit portrait de moi. J'avais envie d'immortaliser aussi un petit peu cette grossesse à ma manière. Et voilà, j'aime beaucoup cette illustration. C'est cette illustration qui m'a aussi inspirée pour les couleurs de cette collection et je l'aime beaucoup. Et du coup, le lot de trois autres illustrations que j'ai créées, c'est dans l'idée de décorer une chambre d'enfant, mais bien évidemment, vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Si vous voulez l'utiliser pour décorer votre atelier, votre chambre ou une pièce en particulier, c'est tout à fait possible. C'est pas délimité à une chambre d'enfant, mais c'est vrai que je l'ai créée dans l'esprit de ce petit bébé qui va arriver. Et moi, personnellement, je vais utiliser ces illustrations pour décorer son petit coin avec son petit berceau et son petit mobile. Publier une photo sur Instagram, c'est trop chou. Et du coup, j'ai fait ce lot de trois illustrations avec mon arc-en-ciel, mon soleil et une sorte d'illustration un peu alphabet avec des petites illustrations. Et elles vont super bien toutes les trois, les unes à côté des autres. Voilà, mais elles vont aussi, enfin, elles sont aussi très bien seule. Donc voilà, ce sera comme vous voulez, je vais faire un lot, en sachant que le lot je vais l'imprimer sur un papier Finart, un papier qui est, que j'utilise pour mes illustrations A4, qui est un papier magnifique que j'aime trop. Si je pouvais l'utiliser pour toutes mes illustrations, je le ferais. Malheureusement, c'est un papier qui coûte hyper cher, donc je peux pas encore l'utiliser pour mes illustrations A5 parce que c'est pas très... ce serait pas très rentable, enfin ce serait pas très intéressant pour moi. Faudrait que j'augmente mes prix ou que je vois un peu comment faire, mais en tout cas pour ce lot de trois illustrations, je vais imprimer sur ce papier Finart parce que je trouve que le résultat est incroyable et du coup je peux pas m'en empêcher, je suis obligée de le faire sur ce papier. Mais pour ce qui est des illustrations en elles-mêmes, donc si jamais vous en prenez qu'une, là j'imprimerai sur le papier que j'utilise habituellement pour mes illustrations A5. Donc voilà, juste un petit détail à savoir si jamais vous voulez vraiment genre un truc de fou, un trop beau résultat avec le beau papier texturé et tout. Voilà, j'aime trop, je suis trop contente d'avoir fait ça, ça commence à m'ouvrir une nouvelle porte pour dessiner aussi de nouvelles choses et franchement ça me plaît trop. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes nouvelles créations. Ça fait pas mal de nouvelles choses, vous avez le choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, merci pour votre patience, merci pour vos encouragements et voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi
quelle est votre création préférée. Voilà, si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou mon compte Instagram, ma boutique, faire passer le mot et montrer un petit peu ce que je fais, ça aide vraiment énormément. Donc voilà, si jamais vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez faire ça. Et sinon, merci pour avoir visionné cette vidéo, merci pour tout, merci pour ces derniers temps, le fait que vous aviez été vachement enjoué par rapport à mes vidéos et tout, ça me fait trop plaisir. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu et j'espère que la prochaine fois je vais publier un peu plus tôt. Parce que là il y a eu 2 semaines entre 2 vidéos et je trouve ça un peu long. Donc bref, j'essaie de faire de mon mieux, mais quand je fais une nouvelle collection c'est un peu intense. Donc voilà, ceci explique cela. En tout cas, je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir ces créations chez vous. Envoyez-moi une photo lorsque vous les recevez. Et voilà, j'ai hâte de tout ça. J'ai hâte de préparer vos commandes. Bref, plein de bisous. J'espère que vous allez bien, que vous allez profiter de votre été. Et que vous vous sentez bien en ce moment. Et si c'est pas le cas, je vous fais un gros câlin, plein de bisous. Et promis, ça ira mieux. Et j'espère que voilà, vous allez être réconfortés. Voilà. Bisous.